On avait prévu de faire l'intro ici, puis finalement. Ah, ça s'arrête. Y'a. Ah bah, ça s'arrête. On peut pas zoomer avec la caméra frontale, c'est cool. Bah, bah, t'es une vidéo, t'en reprends, c'est chiant. On va être coupé. C'est trop stylé! Yo les gars, c'est Coco Cam Jump, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on est avec Lucie, comme d'habitude, je suis en même temps sur les vlogs. aujourd'hui, on est au Royal Jump, je suis en contre-jour, on s'en fout. On est au Royal Jump de Chaumont-en-Vexin, c'est un CCI 3 étoiles. Désolé, ils font des travaux à côté, ils coupent encore des arbres. Ils font des obstacles, tu sais. c'est un CCI 3 étoiles, c'est mon premier concours complet international que je vais voir. C'est mon troisième complet dans ma vie. Et c'est beaucoup, beaucoup trop stylé. C'est juste beaucoup trop stylé. Je vais essayer de vous faire quelques plans sur les obstacles parce que c'est trop beau. C'est trop beau. Et c'est trop gros. Beaucoup trop gros. Non, normal, c'est cover. Ouais, au calme, tranquille. Surtout dans les descentes. Surtout dans ce genre de montée, ça rend tellement pas bien la caméra. Mais mon pote, c'est tellement exécuté. Et je pense que ce panneau veut dire que. Ce panneau qui est là. Je pense que ça veut dire qu'ils le prennent. Bon, bref, sur ce, on vous emmène avec nous. Et puis, bah, c'est parti. C'est pas du tout terminé, c'est pas grave. Ça monte un petit peu, madame est morte. Oh, c'est comment c'est trop stylé. À chaque fois, tu sais, tu filmes rien là. Ouais, je sais, je me trompe de sens. Comment c'est trop stylé. C'est beaucoup, beaucoup trop stylé. Je commence à refaire quand même. Quand t'as les temps et tout en dessous, c'est trop bien. Comment ça fait trop rêver de monter ce genre de parcours, ouais, toi. Pour ceux qui se demandent, c'est pas encore ma caméra, ça c'est un 7D. C'est le mien. C'est son sien. Que j'aurais pas un 18-300. C'est un 200. 200, on s'en fout. Regardez-moi ces obstacles. Voilà comment ils sont larges. Vas-y, mets-toi debout normal. Bon, elle est pas très grande. Mais. Je suis pas beaucoup plus grand que toi. M'arrive à l'épaule. Et ça, c'est normal. Soit pour eux, c'est normal, c'est classique, c'est banal. Les bras, attends. C'est banal, c'est normal. Attends. Moi j'aurais sauté ça. Ouais, c'est ça. Les petits champignons. Alors qu'en vrai, regarde, ce qui saute, c'est ce gros tronc d'arbre là, en 10A, et après ils vont pas en face. Non, non. Après, ils prennent un putain de virage à droite, dans une putain de descente, et derrière, boum, 10B. Qui est immense. Et voilà la pente. Oh my god. Et après, au calme, tranquille au bilo, ça vient là-dessus. Voilà. Sans trop de pression d'ailleurs. Tranquille. Ça fait encore, je sais pas, mais beaucoup trop. Son parcours. Bon bref, on a mangé et donc là tout de suite c'est les épreuves de cross qui commencent. C'est beaucoup trop stylé, les obstacles sont beaucoup trop stylés. On a mangé pour une et... barbe. Ouais. Mes frères, 16€, 3 frites, un mini burger. Je te jure, c'est un truc non, de mal. Le pire c'est que moi c'est 13€ que le burger quoi. Grave. Donc, grave. Et là il passe. Wow. Trop stylé. Descente de bâtard. Oula. Chute. Oulaï. Ça, ça pique. Voilà, on a une étoile, c'est fini. Ah, donc du coup, bah, on attend le 2. On verra pas le 3, le cross du 3, c'est demain. Ouais, il fait chaud de ouf. Du coup, on s'est posé à long gentiment. Jonathan, tranquille. Pourquoi?
regarde mon appareil photo là. Quoi? Bon, regarde. Moi aussi j'ai trop fort, parce qu'elle est flou. Cet obstacle là, il est ouf mon pote. T'as une montée. Et hop, tu finis et il y a de l'eau là, juste ici, il y a de l'eau. Et les mecs ils arrivent, ils sautent comme ça, ils sont complètement tarés. On va aller de l'autre côté, je vais vous montrer ce que ça donne en vrai. Allez! Il a pas la même bombe que tout à l'heure. Gauche. Ça va aller, courage. Allez hop là. C'est bon, j'ai mon titre de ma vidéo. Et comme quoi on a beau être champion olympique, on arrive encore à se planter dans ses tours. Hein. Non mais ça veut tuer, c'est sa réaction. Il dit juste, oh bah décidément moi je suis perdu quoi. Le mec il se plante dans ce parcours, certes il rit jaune, mais même pas, enfin je sais pas, il les aigne, il rigole, enfin il est pas énervé ni rien, enfin bref ce mec là je le trouve génial. Et oui, si tu l'as pas reconnu, c'est Karim Laguague, champion olympique à Rio en 2016, en par équipe, etc, etc. En attendant, cette édition du Royal Job était vraiment hyper cool, c'est la première fois que je voyais du concours complet et franchement c'est juste trop bien et ça donne juste beaucoup, beaucoup trop envie d'en faire. Donc eh bien écoutez, j'espère que l'année prochaine ce sera mon tour. Alors pas des parcours comme ça, parce que là on parle de CCI, une étoile, même deux. Donc on va dire que c'est pas vraiment pour moi quoi. Bref, comme je suis un excellent vlogueur et comme tu peux le voir, bah, j'ai complètement oublié de tourner une outro. Donc si cette vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à t'abonner et à me lâcher un petit sabot bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Actuellement il y a une petite série de photos sur cet événement, et bien sur mon Instagram, il est en description, donc je t'invite à aller le voir. Comme d'habitude, le sabot bleu, l'abonnement, la cloche, le passage sur YouTube si tu veux me soutenir. Et moi sur ce, je vous dis à plus les gars.